Pour cette fin d'après-midi, et pour la deuxième fois de la journée, les femmes, jeunes et vieilles, s'apprêtent à aller chercher le fourrage dont les animaux qui séjournent dans des enclos attenant aux maisons se nourrissent quotidiennement. Ici, dans le village, les animaux ne sont pas autorisés à déambuler librement dans les ruelles et aux abords des maisons. Les chèvres et les moutons, notamment, risqueraient de laisser un désert végétal après leur passage. Alors, il vaut mieux ramasser ou cueillir soi-même ce qu'ils viendraient arracher sans discernement. Dans les villages berbères de la montagne, chaque famille possède généralement une ou deux vaches, deux ou trois moutons, quelques chèvres, un ou deux ânes et éventuellement quelques poules. Ce capital indispensable à la survie des habitants n'est pourtant pas suffisant pour attirer une vraie rétribution, mais constitue juste un apport alimentaire indispensable. Sur la quarantaine vivant ici, au village, seules deux familles possèdent un véritable troupeau, apportant un complément de revenus les mettant à l'abri des imprévus. C'est le cas de Brahim qui a en charge, vivant sous le même toit, une douzaine de personnes. Tout jeune homme déjà, il s'était posé la question des moyens à mettre en œuvre pour améliorer le quotidien. L'âge 18 ans, je sors moi dans le village. Je travaille dans les cafés comme ça, je fais la cuisine, je fais beaucoup de choses. Après, je ne gagne rien, comment je veux faire. Je dis, je fais un maçon pour gagner en plus d'argent comme ça. Et après, je fais le maçon et je travaille comme ça et je prends les maisons dans mes mains comme ça et je gagne l'argent. Quand je gagne l'argent un peu, je pense pour les chèvres. J'achète les chèvres dans le souk. Je ramasse ça dans la montagne comme ça. Jusqu'à maintenant, il y a 120 têtes. 120 têtes, je gagne un peu. Comme il y monte 120 comme ça, c'est bien. Quand tu travailles, comme tu ne travailles pas. En année, tu m'as donné 120, tu m'as donné 30, tu fais 50, petit. Mais je dis 10 ou bien 20, tu mords, il reste 20, c'est bien. 20, en année, 20 têtes, tu le vendras, tu 20 têtes, il reste toujours 120. Quand tu ne fais pas comme ça, t'arrêtes. Tu ne gagnes rien. Toujours tu penses, comme il vient après demain, tu penses aujourd'hui. Montre mon pot de chèvre, c'est en banque pour moi. Comme l'entrée, comme pas de l'entrée, c'est les chèvres, comme en banque. Mon père, il fait le berger, après mon frère maintenant, il monte, je veux dire, faire attention. Ça, c'est la caisse pour toi. C'est la banque. C'est la banque pour nous. Comme il n'y a pas l'argent, de prendre un chèvre et de prendre l'argent dans un chèvre. Comme il n'y a pas les chèvres, comment tu vas faire? Travail, il n'y a pas. Comment tu vas faire avec Oussou?
De fait, pas ou très peu de travail rémunérateur dans ces montagnes. Seulement travailler la terre pour nourrir les animaux et essayer de survivre en produisant de maigres récoltes de blé ou de maïs. Alors que le jour tombe lentement et que les hommes rentrent à leur tour, les enfants profitent des dernières lueurs pour jouer encore un peu avant l'heure du repas. La famille élargie Ibrahim est réunie dans la salle à manger autour de sa mère et de son père. Peu de discussions autour des plats. Les visages fatigués prêtent une attention distraite au feuilleton égyptien dont personne, dans cette pièce, ne comprend les dialogues. Ici, on parle berbère et on ne comprend pas l'arabe et encore moins l'arabe égyptien. Au petit matin, la maison s'éveille. Chacun vient prendre le premier repas, une soupe au maïs et une sorte de café au lait. Fatima, la belle-fille, fait le pain que son fils Omar, le petit pâtre, emmènera dans la montagne pour aller garder le troupeau de chèvres. Le matin, Omar va donc à la Zib, située à trois quarts d'heure de marche du village. La Zib est une sorte d'enclos en pierre sèche pour les animaux, auquel est adossé un abri pour le berger. Pourtant, Omar ne dort pas la nuit ici.
Après avoir fait boire les chevreaux incapables de marcher longtemps, il guide son troupeau vers le torrent tout proche pour gagner ensuite les sommets afin qu'il y trouve de quoi se nourrir. La nuit, les bêtes réintégreront la zib gardée seulement par le chien. Omar aura ce rythme pendant 5 jours, après quoi un jeune berger d'une autre famille, la seule autre famille du village possédant un troupeau, viendra le remplacer. L'eau que l'on entend couler en permanence est omniprésente dans ces montagnes grâce aux nombreuses sources qui sourdent de ses flancs pendant toute l'année. Elle est captée, puis canalisée et parfois stockée provisoirement pour alimenter les villages en eau de consommation domestique et pour irriguer les lopins de terre cultivés. Ainsi, la montagne est parcourue d'un réseau très dense de séguias, des canaux maçonnés ou simplement aménagés qui, par endroits, forment parfois de véritables gares de triage. L'eau est répartie équitablement selon des horaires précis, sous la responsabilité d'une personne de confiance, désignée par l'association qui gère l'organisation du village, et dont Brahim est le responsable. On comprend aussi pourquoi l'entretien de ces CIA est un souci constant pour chacun. Jusqu'à ces dernières années aussi, l'eau était la force motrice utilisée pour faire fonctionner les moulins. Il y a une trentaine d'années, 7 étaient encore en activité dans le village. Mais depuis, tous sont tombés en ruine. Dans le même temps, la population est passée d'une centaine de familles à peine 40 aujourd'hui. Mais c'est dommage, comme je vous regarde, comme cette pièce est tombée. Il laisse de l'eau déjà, il est descendu ici, il est creux, c'est mieux. Les bois qu'il y a à prendre, ça, il est tombé. Un bon moulin ici. Déjà, tous les 4 moulins comme ça, ils travaillent. Tu gardes une femme ici, une femme ici, une femme dans ce moulin, l'autre aussi. Maintenant, tout ça, il est tombé, ça y est. Ouais, tous les jeunes, maintenant, ils sortent. Ils ne regardent pas les pièces comme ça pour nettoyer le village, pour travailler dans le village, toujours à la maison, toujours dans le jardin comme ça, mais ils ne pensent pas à quelque chose. Ils sont dans Marrakech, ça y est. Alors, c'est Brahim qui, fort de son rôle de responsable du village, prit l'initiative d'en remettre un en état. Il a utilisé pour cela les techniques ancestrales des Berbères. Sous l'axe de la meule, le courant d'eau passe dans les pales d'une roue, entraînant ainsi la pierre qui écrasera le grain de blé ou de maïs. C'est cette pièce vibrante qui commande la descente de maïs. Quand elle n'est pas en place, le maïs ne descend pas. Et puis, il est possible de régler le débit en levant plus ou moins la goulotte. Comme je travaille dans une place comme ça, je prends comme 20 kg de maïs ou bien de blé. Et je fais plein de cette réserve. Elle travaille seule et je ferme la porte, ça y est, je travaille 2 heures, 3 heures. Et après, comme je viens, je vous garde tout de blé qui est mis ici.
Il est fini, oui. Ce moulin sert maintenant, sous le contrôle de Brahim, à toutes les familles du village. Je prends deux blés de 3 personnes, comme ça, à 5 personnes par semaine. Toujours je blé, le maïs, comme ça, la farine. Toujours je travaille avec les amis du village. Tous les gens du village, ils viennent pour prendre du blé à le moulin comme ça. Ils ne connaissent pas comment l'histoire du moulin. Comme il prend ça, il arrête ici, moi je travaille, il regarde comment construire le moulin, comment il travaille, comment on se fait avec ça. Je ne prends pas l'argent. Il prend 20 kilos. Le maïs, 1 kilo. Je prends 1 kilo. Comme il prend 10 kilos, je prends la moitié de 2 kilos. Ça, c'est le travail des villages ici. Et les gens, ils sont contents, ils aiment ça, ils font le trou. Oui, oui, il a dit bien ça. C'est mieux comme le moulin de l'électricité au sucre. La farine de l'électricité, ce n'est pas bon. Elle est morte. Le moulin, non. À côté du moulin, Brahim construit une maison avec son fils Mohamed et quelques amis du village. Pour Brahim en particulier, qui retrouve ainsi son premier métier, les travaux de maçonnerie sont appréciés car ce sont de rares possibilités de rémunération pour les hommes de ces régions. Le plus souvent, ce sont des gens originaires de ces montagnes et ayant gagné un peu d'argent en ville qui en sont les commanditaires. Ils la construisent selon les méthodes berbères traditionnelles telles qu'on les voit ici dans toute la région. Les murs sont constitués de sortes de grosses briques faites de terre crue humide et de petits cailloux. Moulés sur place dans de gros coffrages et fortement tassés, ils deviennent, après séchage, extrêmement résistants. Nous sommes à la fin de l'automne. C'est la saison des semailles, de blé et des labours. Les graines sont semées à la volée et le terrain immédiatement labouré. Chaque famille cultive ses petits lopins de terre où poussent successivement dans l'année blé, maïs, fèves. Pour autant, il leur est bien difficile d'être autosuffisant. La terre est le plus souvent pauvre et caillouteuse, et les outils agraires rudimentaires. L'Aïd el-Kébir, la fête du mouton, a lieu dans quelques jours. Alors, c'est le moment de faire une grande lessive pour pouvoir mettre ses plus beaux habits. Bien qu'il y ait de l'eau dans presque toutes les maisons, il est plus agréable de se retrouver entre amis aux abords du village, là où l'eau coule en abondance. Merci.
là-bas. Mais je reste ici. À part de moi, je suis là. Ok. Ce matin, Brahim a revêtu sa plus belle djellaba, celle qu'il ne met qu'une fois l'an, le jour de la fête. Il va rejoindre les autres fidèles regroupés pour la prière autour de l'imam. L'imam a la responsabilité du culte pour les quelques dizaines de familles du village. Ici, rien ne distingue la mosquée de n'importe quelle maison, si ce n'est le haut-parleur sur le toit. Brahim et l'imam nous entraînent à leur suite à l'intérieur de la mosquée. D'origine berbère, l'imam, qui est ici depuis 5 ans, a été choisi par les gens du village qui déterminent aussi la durée de sa mission. Voici la salle d'ablution des femmes qui vient d'être rénovée car le toit s'était effondré. Il se dirige maintenant vers la salle de prière. Moins de 40 hommes se retrouvent ici le vendredi et seulement 5 à 10 les jours de semaine. Depuis quelques années, plus d'écoles coraniques, faute d'effectifs et de moyens matériels. Vieille de 250 ans, cette petite mosquée est en bien mauvais état, car elle est à la charge des villageois qui disposent très peu de moyens pour l'entretenir. De leur côté, l'imam et sa famille vivent très modestement. Un petit lopin de terre a été mis à leur disposition, et ils possèdent quelques animaux, ce qui leur permet juste de subvenir à leurs besoins. Après les prières, c'est le moment du sacrifice du mouton pour le repas traditionnel. Pour Brahim et sa famille, ce sera plutôt un bélier. Chacun a son rôle, mais c'est Brahim qui mène l'opération, après que sa mère en a déterminé le lieu. De retour à la maison, les femmes s'affairent pour préparer la viande. Rien n'est perdu dans le mouton. Les mères et grand-mères en profitent pour parfaire les connaissances des plus jeunes qu'il faudra songer à marier. Maintenant, voilà.
Les jeunes adolescents se retrouvent aux abords de la mosquée. Une fois encore, Brahim, qui n'a de cesse de maintenir les traditions, est mis à contribution. Dans les villages berbères, le jour de l'Aïd, mêlant ainsi l'aspect religieux aux coutumes ancestrales, un jeune se vêt d'une peau de chèvre juste sacrifiée. Cette année, c'est Omar, le berger, qui est désigné. Déguisé ainsi, il parcourt les ruelles du village, tentant d'effrayer et d'attraper les plus jeunes qui, tout en n'étant pas dupes, jouent volontiers le jeu. La plupart de ces jeunes repartiront le lendemain pour la ville, car ils ne sont venus au village, dans la famille, que pour les vacances de l'Aïd. Comme la plupart des jeunes enfants, Abdelrahim, un des petits neveux de Brahim, se rend à l'école 5 jours par semaine, soit le matin, soit l'après-midi. Pour y aller, le petit écolier doit marcher pendant presque une heure, car implanté dans un autre village, l'école dessert une zone assez étendue. L'école n'a qu'une seule salle de classe que deux enseignants se partagent alternativement matin et après-midi. L'institutrice s'occupe des plus petits en regroupant deux niveaux de classe. Ici, on a deux classes. Et c'est voilà la deuxième classe et voilà la deuxième classe. Tous les bouts, en même temps. C'est un grand problème pour nous. Et il y a combien d'enfants qui viennent à l'école ici, dans ce village? Ici, la deuxième classe, j'ai 9 premières classes, j'ai 14. 14. Et vous êtes originaire de ces villages-là ou vous venez de loin? Je viens de Tahnaouss. 30 km de Marrakech. Et vous êtes bien, ça fait longtemps que ici, dans cette région, c'est la première année. Mais j'étais à une autre région que 5 ans. 5 ans. Ici, comme dans toutes les écoles du Maroc, les cours sont dispensés en arabe, langue étrangère pour tous ces enfants qui parlent berbère à la maison. Oui, on les apprend. On essaie qu'ils parlent en arabe. Oui. Mais jusqu'à quel âge l'école est-elle obligatoire? Maintenant, elle est obligatoire jusqu'à 15 ans. Jusqu'à 15 ans, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne se scolarisent pas à l'âge de 15 ans, l'âge de 14 ans. Donc, la société a décidé de faire l'âge obligatoire à 15 ans. Comment c'est possible ici dans le village? Non, c'est pas possible ici, parce qu'elle travaille. C'est pas toujours possible. La scolarité, c'est trop difficile. Oui, un peu. Oui, un peu. Berbère. Dans la famille, sans jugement. Oui, berbère. Quand ces enfants passeront en classe supérieure, ils seront pris en charge par un maître
qui, lui, ne parle pas berbère. Ils n'ont donc que 3 ou 4 ans dans cette classe pour se familiariser avec l'arabe. Pour autant, si ces enfants restent au village, peu d'entre eux conserveront les acquis de cet apprentissage. À 45 minutes de marche du village de Brahim, se situe un autre village qui vit pour l'essentiel de l'artisanat de la terre. Trois types principaux de poteries, destinés exclusivement à l'usage domestique, sont fabriqués ici par ces artisans. Le kanoun, sans doute le plus sophistiqué de ces objets, est le réchaud traditionnel à braise sur lequel toute la cuisine est cuite. Voici maintenant le plat à tagine, plat de cuisson et de service, tout aussi traditionnel que le kanoun. Chaque couvercle est ajusté un à un au récipient auquel il est destiné. Enfin, il y a le four fabriqué en deux parties. Celle du haut sera en partie découpée et récupérée pour fabriquer le couvercle des tagines. Pour la cuisson, la pâte à pain est appliquée sur ses parois intérieures et c'est sur son sommet que la soupe et autres liquides sont chauffés. Une ouverture y est aménagée, ouverture qui sera agrandie lors de sa mise en place selon le tracé que le potier marque sur la terre encore meuble. Chaque jour, un atelier comme celui-ci produit une vingtaine de kanouns, 40 plats à tagine et une dizaine de fours. Artisanat traditionnel, le métier de potier reste aujourd'hui une des rares activités qui fait perdurer les techniques anciennes. La technique du tissage, par exemple, n'est connue aujourd'hui que de quelques femmes âgées et dans certains villages seulement. À côté de chez Brahim, une vieille dame d'un autre village, qui garde la maison de sa fille ici pour quelque temps, vient d'avoir la commande d'un petit tapis. Elle a appris à tisser il y a bien longtemps. Pour les quelques femmes du village qui vont l'aider à préparer l'ouvrage directement dans une ruelle, c'est une bonne occasion d'apprendre cette technique qui se perd déjà dans les mémoires. Maintenant que la chaîne est mise en place, l'ouvrage va être transporté dans une petite pièce pour se poursuivre à l'abri du soleil. Au village de Potier, on prépare la cuisson qui a lieu une fois par semaine, la veille du souk, après que les objets ont eu le temps de sécher au soleil ou par la chaleur de quelques branchages en feu posés à leur surface.
enfants. Dans une large cavité, le potier mêle à la vaisselle des branchages ramassés sur le flanc de la montagne. Ensuite, l'ensemble est couvert méticuleusement de râtés de cuisson. Maintenant, en cette fin d'après-midi, il est temps d'allumer cette sorte de four pour que la poterie fabriquée ces derniers jours subisse une cuisson à l'étouffée qui durera toute la nuit. Entre-temps, la vieille dame au tapis a bien entamé son ouvrage. Rien n'est automatique ici. Pas même de navette pour passer le brin de laine. Seuls les doigts, tels ceux d'une harpiste, courent le long des fils de la chaîne. Tasser les rangs de laine, les coups de tasca se peignent au temps plus ou moins large selon la grosseur des fils. Mina, une jeune femme habitant au fond de la vallée, vient rendre visite à la tisserane. Elle n'a jamais vu faire de tapis et est bien curieuse d'en savoir plus sur cette technique. بارك الله فيك هي الخير هذا منين لقيت بدي صباحا واخا مزيان بصحتك صباحا هي اللي منين انت ملان هنا ما يا ما تنزاد تزاد الزربي يا واخا مزيان الا انا اش كيدات انت تسكرت كمي نكي يا ايوا تي كيت تمشينا اوهو منش كيتكي تسكرت منا شاتكي الحموله ديالك كله حرا مقرق شوية مشك تقريبا حريق ليغ زندغ حرا زومغ أزومغ زندغ مكان عشر سنين وقارنا عشر سنين نا عشر عام يا غير غي أوهو من ما دار من 13 عام غل عمر ما تنتي تصيفت يا ورتتهلغ واخا مزيان ورتتهلغ هذا أتنتصوبغ منك إما مش كدار ميلا إما زندغ كدير غتصيفت غوي يخدم تصايب زعما و تنتزن زيت عرفت تصايب تيتروان ميت كيما تصاوب غير هروانو هاتي داريتي شلاتين يا راس انت تصايب يا نتصاوب اما تدوار كيما راس انت تصايب تي لما ديتاش كاين الا ما ديتاش كان يدور داري غمشان معاون راك متعاون يا المعاون كي تزيد سنت يغي عاون غسد دغلا كيعاون غسنتي غدار وراس سنت اذا سنت الملاق اما حتى يا تولي اللي غدوار يا ما تيتصايب غير وحدي كيما وحدي صافي نين تورا تصاوبنت شتي بوشروي 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 دا تصاوبنت
المهم غير كادي الحمولات زربي كما تنسى دوكان تدرت غمت تاوي غمشه Bien que la plupart des villageois achètent la laine toute prête au souk, Mina s'enquiert maintenant de la méthode traditionnelle utilisée dans la montagne pour la filer. Il s'agit d'une simple quenouille roulée contre la jambe. La vieille dame explique à Mina que dans son village d'origine, où il y a beaucoup de moutons, de nombreuses soirées sont ainsi occupées à filer la laine. Bientôt l'hiver. Arrosé régulièrement par l'eau qui descend de la montagne, le blé a commencé à germer. Les dernières amandes ont été cueillies ainsi que les noix. Les olives seront bientôt pressées pour en recueillir l'huile. Le travail dans les champs se fait un peu moins prégnant et libère un peu de temps pour des moments de convivialité. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Brahim marie Fatma, sa troisième fille. Tandis que la mariée se prépare, entourée seulement par ses sœurs et ses cousines, la famille du marié, venant d'un autre village de la montagne, à une trentaine de kilomètres d'ici, est accueillie comme il se doit par Brahim et sa famille. Le marié n'est pas présent, car, comme le veut la coutume, il est resté chez ses parents. Aujourd'hui, c'est en quelque sorte le mariage de la mariée. Il faudra attendre le lendemain pour qu'elle aille le rejoindre dans son village. Spécialiste de la préparation des mariés et payé pour cela, s'affaire autour de Fatma. Pieds et mains sont décorés de henné. Le visage maquillé laisse apparaître une jeune femme méconnaissable pour qui a l'habitude de la côtoyer dans le village. Autour d'elle, les femmes de la famille et les amis participent à cette véritable cérémonie. À l'extérieur, c'est la préparation des repas. Plus d'une centaine de personnes ont été invitées. Ibrahim a fait appel à trois femmes réputées pour leur qualité de cuisinière. Elles ont la charge du déjeuner et du dîner. Qui s'étire en longueur, voit Brahim un peu triste de voir sa fille quitter la maison familiale. Mais je compte. Ce que tu vas faire. Ouais. Après, il n'y aura que Mohamed avec toi. Ouais. Plus de filles. Ouais. Les filles, ça y est, il est fini. Il reste Mohamed. Je fais un mariage comme ça. Avec Mohamed, ça y est. À l'intérieur, on chante, on danse autour et parfois avec la mariée, ce qui lui permet de se délasser un peu. Venu de Rabat, il y a là son cousin Youssef. Bien que vivant en ville depuis sa naissance, il aime revenir ici, dans ce village, berceau de sa famille. Et si on lui demande s'il pense se marier bientôt, la réponse fuse. Non, pas encore. Parce que j'aimerais laver, j'aimerais vivre seulement sans des responsabilités pour une femme. Après, Inch'Allah,
je pense à 30, 32, 34, Inch'Allah. Je pense que je dois faire. Inch'Allah, je dois marier. Ah oui. Pour autant, Youssef envisagerait-il de vivre ici? Moi, je pense pas. Parce que c'était très difficile. C'est très difficile pour faire ça et pour vivre ici. Mohamed, je pense, va vivre ici parce que elle a déjà parti d'ici, à la ville, à Marrakech. Après, elle est partie à Fès, travail. Ça fait longtemps, mais toujours, elle fait un retour à la pointe de ce village. Moi, je pense, je ne peux pas vivre ici parce que je n'ai rien connu pour faire. J'ai rien connu, ah oui. Non, il est beau ici. Tu prendras la suite de ton plan. La ville, le dérangement, les voitures, les moutons. Ici, il est beau. C'est bien là. C'est bien. La nature. Ouais. Tu restes là ici. Je vais rester sur le travail avec mon père. Donc, Brahim, c'est le responsable ici qui a commencé la traduire. Donc, Mohamed, c'est le fils. Il veut commencer ça, Inch'Allah, après Brahim. Il va être un grand vieil, il va passer à l'autre vie. Et donc, juste là, il va commencer ça. Ouais. Pour prendre une expérience, pour satisfaire les besoins du futur, Inch'Allah. Ah oui, c'est lui qui va continuer, Inch'Allah. C'est pas moi. Je vais retourner ici après. Je vacances au. J'ai un vieil homme au retrait. Tu retrouveras ton cousin. Ah oui, je retrouverai mon cousin. Qui va m'aider pour m'a donné des informations pour cette vie ici. Parce que je dois être. Ah oui. C'est bon. La fête se poursuivra jusqu'à la nuit, mais sans musique, car les musiciens contactés par Brahim ne sont pas venus et ont trouvé un mariage plus rémunérateur dans la vallée. Le lendemain matin, c'est la séparation. Fatma quitte sa famille. Malgré les youyou, l'émotion est palpable. Et sous son voile rouge traditionnel, la jeune mariée ne peut s'empêcher d'essuyer une larme furtive. Pourtant, cette fois-ci, ce ne sont pas les parents des jeunes époux qui ont arrangé le mariage, mais bien les mariés qui se sont choisis après une rencontre fortuite dans un minibus. Dans quelques jours, après la fête dans la famille de son jeune époux qu'elle va rejoindre maintenant, Fatma ira habiter à Rabat. Avec le début de l'été, arrive la période des moissons. En temps normal, Brahim et sa famille sont autosuffisants. Mais cette année, la récolte de blé sera bien faible. Le problème de blé pour tomber comme ça, c'est beaucoup de la pluie.
et ils le vont. Il a tombé tout ça. Et cette année de blé, ils ne sortent pas bien, ils ne prennent pas bien. Hein. Et pourquoi quoi? Je ne sais pas. Tu vois, il est malade. Hein. Le blé, les fèves, les petits pois. Un malade qui a tombé dans du blé comme ça, il ne prendra pas la farine, tu connais? Ça, rien. Et l'autre un peu. Déjà, du blé, il monte comme ça bien. Ça, il est plein. C'est bien ça. C'est bien, oui, il monte bien. Et les autres, il est malade, là voilà, tu vois. Tout ça, il est malade. Pas de blé, pas de farine. La première fois, il est malade comme ça. Il ne prendra pas. Tout le monde. Ouais, tout le monde. Ce n'est pas cette place, mais toute la région de Gounzafa, c'est comme ça. Cette année, Brahim ne récoltera que 50% de la quantité habituelle. Il devra donc acheter le complément au souk et mélangera farine de blé et de maïs pour faire le pain. Aussitôt après la moisson de blé, ses parcelles sont immédiatement ensemencées de maïs. Il aura le temps de pousser durant l'été, l'eau continuant à couler dans les séguias sans interruption. Ainsi va la vie dans le haut Atlas berbère, où les conditions d'existence sont si dures et les perspectives d'amélioration matérielle si faibles que les nouvelles générations fuient vers les centres urbains. Pourtant, Brahim continue de se battre pour garder dans son village les techniques et coutumes issues des générations qui l'ont précédé. Il semble qu'il ne s'est pas battu en vain, puisque son fils Mohamed a fait le même choix que lui 25 ans auparavant. Il restera au village. Le travail par là, il est beau. Parce que c'est pas comme le travail des villages, ou bien par la ville. La ville, tu payes la chambre, tu payes l'eau, tu payes... Ne te montre pas l'argent. C'est pas comme ça. C'est le travail, la maison de l'à côté. C'est si bien.